بعض الناس هدانا الله إياه دائما يتشائم، دائما يتطير، لا يتفاءل. Certaines personnes, qu'Allah les guide et nous guide également, elles croient aux mauvais augures, c'est-à-dire aux superstitions. يرى مثلا إنسان أعور أعرج في عاهة يتطير، يقول هذا اليوم يوم سوء، يوم شر. Par exemple, il voit quelqu'un qui a un problème à l'œil, qui est aveugle, qui est boiteux ou qui est malade et ainsi de suite, eh bien, il pense que cette personne-là va lui porter malheur. أو يسمع أصوات، يسمع صوت حمار، صوت كلب، يقول أعوذ بالله. Ou alors il entend la voix du chien ou la voix de l'âne et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est un mauvais jour aujourd'hui. أو يتطير بعض الأيام مثلا بيوم الأربعاء مثلا. Ou alors, par exemple, il tire mauvais augure du mercredi. أو يتطير بعض الأرقام مثلا رقم خمسة. Ou alors, par exemple, du vendredi 13, par exemple, certains nombres. أو يتطير ببعض الملابس. Ou alors de certaines tenues vestimentaires. هذا حال المشرك، حال المنافق، هذا من الشرك الأصغر. Ça, c'est la situation de l'associateur, du polythéiste, de l'hypocrite, et c'est du petit polythéisme. المسلم دائما يتفاعل. Le musulman, il est optimiste. بعض الناس يتطير حتى بالقرآن. Certaines personnes, elles tirent mauvais augure du Coran. يريد يتزوج مثلا. Par exemple, il veut se marier. فماذا يصنع؟ Que fait-il? يأخذ القرآن. Il prend le Coran. ويفتح. Et il ouvre le Coran. إذا وقع النظر على آية فيها رحمة مضى في الزواج. Alors si il ouvre le Coran et qu'il tombe sur un verset dans lequel il y a de la miséricorde, il se dit c'est bon, je vais me marier. وقع النظر على آية فيها عذاب يقول ما أتزوج. Mais si ses yeux tombent sur un verset dans lequel il y a un châtiment qui parle de l'enfer et ainsi de suite, ils disent non, c'est impossible, je ne me marierai jamais. أو يأخذ وردة. Ou alors il prend une rose. ويقطع الوردة. Et ensuite il coupe, il prend un pétale. أتزوجها. Il dit, je vais me marier. لا أتزوجها. Je ne me marie pas. أتزوجها. Je me marie. لا أتزوجها. Je ne me marie pas. أتزوجها. Je me marie. فيقف على آخر شيء يعتي به. هذا شرك صار. Et le dernier pétale sur lequel il va tomber, eh bien, il prendra cette décision en fonction de cela. Ça, c'est de l'associationnisme mineur. أو يقول مثلا هذا. هذا أتزوجه وهذا لا أتزوجه. Alors il prend ces deux objets, il dit voilà, à droite je me marie, à gauche je ne me marie pas. ثم يبدأ بالأرقام أو بأشياء يقولها هم. Ensuite il se met à compter ou à utiliser des chiffres. يعني حادي بادي هكذا فالذي يقف عليها هذا استقسام بالأزلام ما كان عليه أهل الجاهلية. Ce genre de pratique consiste à avoir recours au tirage des flèches qui était en pratique à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم chez les Arabes. بعض الناس يعني ينام. Certaines personnes vont dormir. Et dans son rêve, il va faire des cauchemars. Ils vont dire, ça y est, aujourd'hui c'est un mauvais jour. Je suis sûr et certain qu'aujourd'hui il va m'arriver un malheur. C'est comme s'il prétendait connaître l'invisible. Tout cela, c'est du petit à polythéisme. Et ça peut arriver même au grand polythéisme. N'aie pas recours à ces choses. Ne sois pas influencé par ce que tu vois ou ce que tu peux écouter. Garde toujours une bonne pensée et une bonne opinion d'Allah. Place ta confiance à Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement. Ne t'occupe pas des autres choses. Tout ce qui peut te provenir ne provient que d'Allah et il ne provient d'Allah que le bien. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'accorde son pardon et sa protection.